vais regarder si elles sont bien chargées. Bon, en retirant les deux piles, on est, ça fait 1,7 watts de consommation. Si je remets les deux piles qui sont normalement chargées, ça fait 2 watts de consommation. Il ne devrait pas avoir plus, mais bon, c'est comme ça. Bon, là, je vais regarder à combien elles sont chargées. Et là, ça marche pas. Si, voilà. Calcul. 70%. 1,38 volts. 70%. En fait, ça fait 70% comme toutes les piles rechargées. Donc, elles sont chargées, en fait. On ne pourra pas aller au-dessus. La deuxième, 70% aussi. De toute façon, si je reprends que j'ai déjà chargé, elles sont toutes normalement à 70%. Calcul. Ah, 50% sont déjà déchargées. Elles sont déjà déchargées. Je les ai chargées hier. 50%. Calcul. 50%. Voilà. En fait, j'ai que des piles chargées à 50% dès le lendemain. Allez, bon, bref. Voilà, c'était pour vous montrer que les piles chargées, c'est pas évident. Et ça consomme. Là, je vais en mettre deux à charger. Bang. Tac. Là, ça charge. Et la consommation, elle est de... Attendez. Elle est de 2,9 watts. 3 entre 2, 9 et 3, 3 watts en fait pour deux nouvelles piles en plus. Bon, là j'en ai mis deux nouvelles, 3,5 watts. Et là, je vais regarder les fameuses piles chargées à combien elles sont. Elles sont bien chaudes. Merde, zéro quand même pas, non? Ah si, zéro. Ah bah merde, celles-là sont mortes. Celle-là. 60%, je refais l'autre. Celle-là, je vais pouvoir l'acheter, je crois. Bon, en fait, voilà, c'était pour vous dire que les piles, quelles que soient les marques, hein, achetées à Amazon, à Hyper-U, n'importe quoi, elles ne chargent jamais plus de 70%. Et elles consomment quand on les charge. Bon, je vais faire le calcul et je vous montrerai ça sur le blog. Allez, à plus.